De départ catastrophique qui va coûter surtout très cher à Pierre, malheureusement. Donc Philippe a bien profité de sa pole position. Pierre a beaucoup de travail à faire pour rattraper, mais déjà, voilà, déjà repris par, par les premiers. Voilà, Philippe est survolté en orange, attention, voiture orange, qui mène la course devant François, François en vert et jaune, sur le toit, en vert, jaune et, ouais, vert, jaune et bleu. Ça change beaucoup. Philippe qui a vraiment pris pour l'instant l'ascendant. Il est suivi par Jonathan, par Benny, par François Kahn, par Vincent, par Pierre, qui va peut-être remonter bien, par Grégory, par Florent et par Florian. Alors là, on a Jonathan, Benny, François, Vincent, Pierre, Grégory qui se suivent là. Donc en orange, l'homme de tête. Orange fluo, attention. Ce montage dans la ligne droite, l'homme de tête. Derrière, on a Jonathan. En orange, blanc et noir. Qui arrive sous le montage à son tour. Donc Philippe qui dispose d'une avance confortable sur le deuxième. Derrière, il y a Denis. Denis est en blanc et rouge, deux couleurs, blanc et orange, orange devant, passe sous le comptage, juste derrière Jonathan, Denis qui revient sur Jonathan, on va suivre les attaques de Denis sur Jonathan, attention à Vincent, il est derrière, voilà, deux pilotes, ouf, alors là c'est sans appel, Denis encore une fois, sa façon de passer, parfaite en bout de ligne droite, il fait la différence à chaque fois sur cette partie de piste. Attention par contre Denis, puisque tu as derrière Philippe, qu'il faut laisser passer. Voilà, donc Philippe hein, qui a une avance assez considérable, puisqu'il a une avance de 1 tour sur le deuxième. Donc là, Philippe devrait aller jusqu'au bout sans aucune difficulté. Derrière, il y a Denis, en blanc et orange de couleur, qui passe actuellement sur le comptage. Du coup, derrière il y a Jonathan, ou bah, on s'est échangé, non? Derrière c'est toujours Jonathan, en blanc et orange. Derrière il y a François Kahn, il y a François, en bleu et jaune. Derrière il y a Pierre, Florent, Vincent, Grégory et Florian. Une bagarre hein, de Pierre qui fait une belle remontée. Victime d'un départ difficile devant lui. Donc une belle remontée actuellement 5e à l'attaque sur François, donc Pierre en blanc avec la bande orange sur le toit qui chasse François en bleu et jaune. Pour l'instant, c'est François et Jonathan hein, qui sont à la lutte. D'ailleurs, François vient de passer Jonathan. Ouh là là, et puis il a mis tout de suite une différence là. François, très rapide dans ce milieu de course, puisqu'on a dépassé la mi-course. Très très rapide, François. Reviendra-t-il sur Denis? Quelle avance il y a entre les deux pilotes? Bon, il avance quand même encore très confortable pour Denis. Une avance. Ah oui, une avance confortable puisqu'il y a plus d'un tour d'écart.
Allez, Philippe, 32 tours, Denis, 31, François, 30, Jonathan, 30, Pierre, 29, Florent, 29, Florian, 28, Vincent, 28, Grégory, 27. Les 10 écarts se sont creusés, il reste 2 minutes 50. On a toujours un Philippe survolté en orange. Dans la ligne droite maintenant, attention à lui. Il va prendre d'ailleurs un tour supplémentaire sur son poursuivant. Denis, attention Denis, on va quand même ouvrir la porte quand il sera au contact. Là, communication entre les pilotes, parfait. Ouf. Oh, aïe. Ben, Denis a ouvert la porte. Mais. Il a ouvert aussi la carrosserie. Et non, ce n'est pas Denis. Problème technique pour Florian. C'est la victime d'un accrochage en pleine ligne droite, à pleine vitesse. Sans doute les supports carrosserie cassés. Et Pierre, toujours 5e, malgré une belle remontée. Ah, Pierre qui revient sur Jonathan. Pierre qui revient sur Jonathan, effectivement. Pierre continue sa remontée en blanc. Traîner orange sur le toit, juste devant Jonathan. Dans, tous les deux dans la même droite. Ouh, la différence à l'accélération, sans appel. Ah, le problème, c'est qu'il n'aura pas profité de... De ça, c'est Jonathan qui reprofite. La pierre est très très rapide, très très forte accélération. Alors, la différence dans la ligne droite fera-t-elle la différence dans toutes les parties techniques? Ah, et oui, effectivement, les qualités de pilotage vont faire la différence, profitant d'une petite erreur de Jonathan. Pierre continue son ascension. Alors là, par contre, remonter sur François, Denis et Philippe, tous les trois. Très rapide, ce sera peut-être une autre paire de manches. On rentre dans la dernière minute. Philippe survolté, 46 tours. En orange, suivi par Denis. Bon. Orange et blanc. Suivi par François, en bleu et vert. Alors, est-ce que François pourra revenir sur Denis? Ouais. Ça me paraît le compromis puisqu'il y a plus d'un tour d'écart. Pierre qui continue son ascension. Il reste 30 secondes de course. Pierre pourra-t-il revenir sur François? Tous les deux dans le même tour. 4 secondes d'écart, 20 dernières secondes. Ah, là je pense que non, ça va être délicat pour Pierre malheureusement. Il nous aura fait une belle remontée, une belle course. Quel dommage ce départ. Dans les toutes dernières secondes de course, dans les 10 dernières secondes. De quoi effectuer un dernier tour pour certains. En tout cas, pas pour Pierre, ni pour Philippe. Bravo Philippe, le gain de cette manche en 54 tours. C'est pas fini, reste Denis, Grégory et Vincent. Et c'est fini pour tout le monde. Bravo Philippe, 54 tours. 53 pour Denis, 51 pour François, 50 pour Pierre et Jonathan. Belle remontée Pierre, félicitations. Florent, 48, Grégory, 46 tours, ainsi que Vincent.